bien voilà, le jour J est arrivé. Nous allons enfin pouvoir entrer à l'intérieur de ce magnifique château, abandonné depuis plus de presque 10 ans, donc en 2007, lors de la mort de la comtesse. Nous l'avons visité maintes et maintes fois, faire le tour des parcs le soir, le matin, sans jamais pouvoir pénétrer à l'intérieur. Maintenant, en toute légalité, nous avons pu visiter enfin cet immense château et visiter toutes ces magnifiques pièces, ces chambres. Ce château date d'environ 1860, donc il date du 19e siècle, il n'est pas si vieux que cela. Il appartenait à une grande famille noble qui est actuellement en indivision entre les 5 enfants, ou les 6 enfants, je pense, une indivision qui se passe très mal. Et en fait, actuellement, ce malheureux château et ses 65 hectares de terrain restent désaffectés, fermés et soumis aux aléas du temps, du vandalisme et de l'humidité en plus, vu qu'il n'est plus chauffé en hiver. Donc nous allons enfin pouvoir faire la visite de ce domaine. C'est un rêve inespéré. On a pu y entrer en toute légalité. Évidemment, sur les vidéos, vous verrez peut-être parfois d'autres gens passer. La porte était ouverte, les gardiens nous ont permis de le visiter. Nous y sommes rendus 2 fois. Donc toute notre équipe, SGH et RPB, en 2 fois, ont pu enfin réaliser ce reportage à l'intérieur de ce bâtiment, que nous espérons et vivement qu'il pourra reprendre enfin une nouvelle vie, qu'il pourra être racheté, pourra de nouveau reprendre vie. Voilà, je vous laisse à votre visite. J'espère qu'il ne finira pas comme certains autres châteaux en Belgique, comme celui de Noisy, par exemple, qui s'effondre tout doucement, malheureusement, et qui disparaîtra dans l'oubli et dans les ruines. J'espère que celui-ci ne subira pas le même sort. C'est un peu dans ce but-là que nous faisons ce genre de reportage. Je vous remercie et bonne découverte.
ça y avait été habité et délabré comme ça. C'est quand même surprenant de trouver ça. C'est des urbexeux qui ont fait ça. Mmh. C'est sûrement des vandales qui sont rentrés, ils ont tout retourné. C'est vraiment dégueulasse quand même. Ah bah ici on est seul.
l'ouverture des frontières, monsieur Eric. Oh, ben je pense bien, hein. Si on devait rester la nuit ici, j'aurais plus vraiment l'impression que certaines choses bougeraient toutes seules ici, je pense. Des ondes dans les couloirs. Je pense que ça a bien vécu ici. Vous filmez mutuellement. Non, ça ne va pas sortir. Ça, c'est possible aussi. Ça ne va plus sortir. Très petit donc. Il y a du monde, hein. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Je vais te mettre une voix pour finir. Merci. Ouais, merci. On a persévéré, voilà. Voilà. La poussière de la celui qui a la grippe. C'est mal, ben. Elle a fait en plus. Ouais. Ouais. C'est étouffant. Ouais, c'est étouffant. T'imagines, le sol est mou. Ah ouais. Par la fiance, quoi. Oui. C'est un cil, hein, ça ronge. Ah, mort, quoi. Voilà, nous arrivons à la fin de notre périple dans ce grand château. Vous avez pu constater lors de la visite l'état de délabrement dans lequel se trouvent les étages. On dirait vraiment que des gens sont venus tout retourner, tout renverser, tout délabrer. Paraîtrait-il que ce serait la famille elle-même qui aurait organisé cela pour la vente publique. Voilà, ben j'espère que ce reportage vous a plu et que ça contribuera à préserver ce magnifique monument. Voilà, je vous remercie de votre visite.